c'est là. Alléluia. Mais praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, c'est triacon. La voix authentique. Poangbe. Dodo. Obtient accomplissement des promesses. Toi, tu es ma. C'est la voix authentique. Obtient accomplissement des promesses. Toi qui garde toujours confiance en Dieu. Les sourires sont à yeah.
Parce que nous sommes meilleurs,
à cause de ta grâce. Nous confions à toi. Papa, allez, peut-être que tu voudrais nous utiliser. Utilisons-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-le. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merekoko. Mebe alléluia. Amen. No ira medea mebe alléluia. Si vraiment tu es béni, réponds amen. Meyo kwasi na mawa mebe alléluia. Peuple précieux de Dieu, réponds amen. Medakbe na mawo. Je remercie Dieu. Alléluia. Amen. Be le kosemea. Parce que dans la foi, mikatamigafondia. Nous sommes encore tous réveillés ce matin. Le futoba horlomea. Dans la pensée de l'ennemi, il n'a peut-être pas voulu à ce que je me réveille. Il n'a peut-être pas voulu que tu te réveilles. Il n'a pas voulu que nous nous réveillions. Mais l'Éternel nous a réveillés. Puisque tu n'es pas mort, et tu as tes pieds dans ce camp, d'habitude je dis quelque chose, tu réussiras au-delà de tes imaginations. Et si je le dis ainsi, ce que tu n'as jamais imaginé dans ta vie, Dieu le fera dans ta vie. Et ça te serait comme si c'était un rêve. Eh bien, c'est une réalité qui est en cours dans ta vie. Alors ce matin, nous allons encore prier. Amen. Amen. Mais de coucou garde et sauva hier. Et depuis hier, le nous fia la ben nous fia fia you on a mis ton dit pas hier. Dans l'enseignement que nous avions reçu hier dans la matinée, à part des noms blombé, il y a un angle qui dit chrétien. C'est que aller cocoigner mais assis vieux là et de la noter des nanéoji. Un chrétien qui doit pratiquer la sanctification doit se baser sur certaines choses. Et l'une de ces choses, c'est la foi. La foi. Qu'appelle-t-on foi? La foi est une chose invisible. Et ce que tu ne vois pas de tes yeux, tu dis que la chose existe. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous sommes appelés croyants. Parce que nous ne voyons pas morphologiquement Dieu, mais nous croyons à son existence. Alors les païens sont appelés les incroyants, car ils voient de face leurs idoles avant de croire en elles. Quand ils voient une grosse pierre taillée sur laquelle on a versé de l'huile rouge, de vieilles machettes là-dessus, de vieilles roues sur cette pierre, des cornes d'animaux sur la pierre, de l'huile rouge là-dessus, des poils ou des plumes de poule dessus, et cette idole ou cette pierre est bien élancée. Et lorsque la pierre est bien élevée, dès qu'il voit la chose, il se dit, ah, c'est ça là qui peut me sauver. Bon, eh bien, ces choses, on les eux, ils sont en train de voir avant de croire. Bon, mais nous ne voyons pas notre Dieu. Bon, mais nous croyons en lui. Bon, qu'il est le Dieu qui existe. Bon, et le monde dit, on vous trompe en vous disant que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vraiment Dieu existe? Nous ne le voyons pas de nos yeux, mais si nous l'invoquons, il répond.
Et ce matin, il va encore répondre à quelqu'un. Ce Dieu qui nous est invisible, il guérit les maladies incurables. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est ces personnes-là qui sont auprès de lui. Et malgré cela, ils ont encore leur foi ailleurs. Et l'un des éléments qui permet aux chrétiens de pratiquer la sanctification, c'est encore la foi. Pour cela, tu verras quelqu'un qui sert Dieu, qui adore Dieu. Mais la personne n'aura pas la foi en Dieu. Quelqu'un qui jeûne. Quelqu'un qui prie. Mais la personne ne croit pas en sa propre prière comme quoi ce qu'elle est en train de dire à Dieu que cela s'accomplira. Mais ceux qui croient, alléluia, amen. Celui qui croit est convaincu que ce qu'il est en train de dire s'accomplira. Et moi, je crois. Et c'est cette assurance que j'ai. Voilà pourquoi lorsque je prends la parole, je dis, jusqu'à ce que je ne retourne m'asseoir, si tu es à l'extrémité de la terre, tu es dans le monde entier, tu m'entends ou peut-être tu ne me vois même pas, tu recevras ta guérison. Tu recevras ta guérison. C'est pourquoi tu verras, les gens ne nous voient pas de face. Ils nous entendent juste par les pouces récepteurs. Ce n'est-il pas étonnant que quelqu'un qui soit paralysé dans sa chambre, après nous avoir écouté, puisse se lever et commencer par marcher? Quelqu'un qui dira que le cancer a disparu de son corps. Mais la personne n'est pas en train de nous voir de face. Premièrement, bien qu'il y ait de l'onction sur moi, qui suis l'orateur, qui suis le prédicateur, qu'est-ce qui a permis à ce récepteur-là de recevoir promptement son miracle? C'est la foi. C'est la foi. Et il croit que jusqu'à la fin de la prière, dirigé par tel serviteur de Dieu, il sera guéri de telle ou telle maladie. Mais vous savez quoi? Quelqu'un qui vient dans le camp ici, qui entend la parole de Dieu, qui voit tout ce que Dieu accomplit aux gens, mais la personne serait en train de dire, on doit m'appeler spécialement et prier particulièrement pour moi seul. Tu es en train de retarder ton miracle. Quelqu'un a fait usage de la foi dans ce passage. Et c'est sur ce passage-là que nous allons nous baser. Et c'est par ce test biblique que nous allons prier. Alors si tu dis quelque chose à Dieu et tu ne crois pas que cela peut s'accomplir, alors là, tu parles en l'air. C'est pourquoi parfois, tu verras quelqu'un qui va beaucoup prier et vers la fin de la prière, s'il voit que le mal continue toujours pas l'importuner, il va commencer par dire que cette maladie là me tue pour que je sois à l'aise. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est question de foi. Et David lui-même était en train de prophétiser à l'endroit de sa propre vie. Une inféconde serait en train de dire, je ne mourrai pas inféconde. Oui, c'est ça nous appelons la foi. Aujourd'hui je souffre, mais je ne mourrai pas dans la souffrance. Que les gens m'observent correctement dans la foi.
foi. Les bonnes choses que les gens possèdent. Moi aussi, j'obtiendrai de telles choses avant de mourir. C'est ce que nous appelons la foi. C'est ce que nous appelons la foi. Mais si tu n'as pas la foi, d'abord, tu vas beau prier, mais être encore comme une feuille sèche qui serait emportée par le vent. Tu peux aller n'importe où et tu seras effaré en toi-même. Mais si tu as la foi, tu diras, je crois. J'en suis convaincu que mon Dieu me le fera. C'est cette foi-là que Shadrach, Meshach et Abednego avaient utilisé. Nous savons que notre Dieu nous sauvera. Il nous délivrera de tes mains. Il nous délivrera de cette fournaise ardente. Même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons jamais nous prosterner à une idole. La foi. La foi accorde une maturité, une croissance spirituelle à l'homme. Mais si tu ne possèdes pas la foi, alors si tu n'as pas la foi, est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Alors, répondez amen. Dites plus fort amen. Moi, j'en suis convaincu que la prière que j'ai faite, j'obtiendrai un changement. L'immaturité dans la foi fera que lorsque tu vas venir ici et prier, beau prier, et retourner chez toi, et quelqu'un viendra te demander, est-ce que tu as finalement obtenu un changement? Parce que tu es encore immature dans la foi, tu diras à la personne non. Et la personne va commencer par te séduire, par tromper ta vigilance en te disant, je connais un lieu. Et si nous allons là-bas maintenant, il n'est pas question de gris-gris. On va juste te donner un parfum, on va juste te donner une huile, on va juste te donner une eau que tu vas utiliser. Et puis tu obtiendras rapidement la solution à ce problème-là. Et parce que toi aussi tu es immature dans la foi, tu vas commencer par suivre cette personne. Mais si tu as une maturité dans la foi, quelles que soient les propositions qui te seront faites, tu diras non, moi j'en suis convaincu que Dieu le fera dans ma vie, il me donnera la solution. Est une certitude et une conviction que ce que tu traverses aujourd'hui, et tu pries, que ta foi te rassure que tu en seras certainement délivré. Vous êtes redevable en amen. Je dis que ta foi te rassure que tu en seras délivré. Et cette certitude. Alors ceux qui acceptent mener une vie de sanctification, sachez que la foi est un élément de base qui te permettra ou qui vous permettra de pouvoir vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Une femme. Les gens allaient à l'église et sont passés chez elle et elle avait son enfant qui était malade.
Malheureusement, lorsque les gens sont partis à l'église, l'enfant est décédé. Elle a quitté, elle a laissé l'enfant au lit, l'enfant qui est décédé au lit, elle a fermé sa porte et elle est aussi allée à l'église. Alors, lorsque les gens ont vu la sœur qui avait son enfant malade à l'église, et ils l'ont vu et ont constaté qu'elle aussi se réjouissait au moment de la louange, les gens étaient étonnés, les gens se posaient la question à savoir si peut-être la santé de l'enfant s'est améliorée. Et effectivement, lorsqu'elle a été interrogée, elle a dit oui, par la grâce de Dieu, l'enfant va beaucoup mieux. Et vu la situation, elle retournait donc à la maison. Les gens le suivaient. Et jusqu'à ce qu'elle n'arrive à la maison, ce qu'elle avait dit à Dieu, c'est que je ne vais pas enterrer mon fils. Ça, c'est ma foi. Parfois, même un simple fidèle, un membre de l'église, peut avoir une plus grande foi que le pasteur qui dirige l'église. Et jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison, l'enfant s'est relevé et cognait à la porte. L'enfant criait: maman, maman, maman. Cet enfant qui était mort a été vivifié. Selon la foi de cette femme, les nous comme de là nous amado globé. Dans les investigations, dans les recherches, ailleurs, il a été dit qu'elle est allée informer le pasteur qu'effectivement son fils était décédé. Et elle dit qu'elle ne voudrait pas semer le découragement au sein de l'église, au sein de l'assemblée. Elle va de l'église. Parce que si elle arrive dans l'église et commence par se plaindre comme quoi son enfant est décédé, les gens seront découragés et vont se disperser de l'église. Toutes ces choses, elle ne l'a pas fait. C'est en cela que le pasteur disait: bien-aimé, imitons la foi de cette femme. Et le pasteur disait: la femme est venue m'informer que son fils était décédé avant qu'elle ne quitte la maison pour venir à l'église. Mais elle était rassurée. Bien-aimée, mes chers parents, il y a quelque chose qui est défectueuse dans ta vie. Rassure-toi que les choses vont changer. Rassure-toi qu'il y aura un changement. Ne prie pas en l'air. Crois en ce que tu dis dans ta prière. Ne vous fâchez pas, répondez fortement. Amen. Crois en ce que tu dis, que cela s'accomplira. Introduction à introduction. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, le chapitre 8, le verset 13. Matthieu Bagbale, Tani, Pipuyeton, Globe. Aye, yes, Ublona, Avafialabena, hey. Aye, Alessi, ne poissela. Où est now Nenema? Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 8, le verset 13. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Le deuxième passage que nous allons encore lire, c'est Hébreux 11, le verset 16.
Le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Kene khosemi le miasi ola miaten ajemau o elabena mesi kete na vana maubola ne khosebena mauli aye o dua tepena amesi o dine bevie. Hébreux 11, le verset 6 nous dit: or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Avafiade, que d'autres le dolem. Le serviteur des centeniers était malade. Et d'autres là la badji. Et le serviteur était au lit. Et ce centenier supervisait une centaine de soldats. C'est un officier militaire. Et il est respecté et distingué. Lui aussi, il avait des militaires à sa disposition à la maison. Il envoyait les gens qui allaient et revenaient. Mais il a cherché Jésus. Lorsqu'il a découvert Jésus, il dit: ah, maître, mon serviteur est malade. Et je voudrais que tu viennes le guérir. Et Jésus lui-même a dit: je viens et j'irai dans la maison avec toi. Afin de guérir ton serviteur. Il dit: niet. Je ne suis pas digne à ce que tu ailles dans ma maison. J'ai des serviteurs à ma disposition que j'envoie, ils vont et reviennent. Je suis aussi un chef chez moi. Je suis un cadre. Je suis honoré et respecté. Mais je ne voudrais pas que tu ailles dans ma maison. Dis seulement un mot. Mais je sais que si tu prononces seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Bon, dis seulement un mot. Mikpoda, regardez un peu. Ce n'est pas l'officier militaire qui obligeait Jésus de venir dans sa maison. Jésus lui-même avait décidé d'aller dans sa maison, mais lui, il a encore refusé. Si c'était nous ou si nous étions à sa place, c'est l'officier militaire lui-même qui dira: Jésus doit venir dans ma maison. Et si malheureusement Jésus disait que va dans la maison, ton serviteur est déjà guéri, il dira que Jésus ne l'a pas considéré. Parce que s'il avait considéré ou respecté, il avait du respect pour lui et connaissait son rang social, sa position, il doit venir chez lui. Mais la personne, la Bible nous dit qu'il est dit qu'il n'est pas un chrétien. Il n'est pas juif. C'est pourquoi Jésus a dit: je n'ai pas encore rencontré une telle foi. Celui-là, il possède la foi. Il a demandé à ce que Jésus dise seulement un mot. Et il est convaincu que son serviteur sera guéri. C'est ce que nous appelons la foi. Il dit qu'il n'a jamais vu de pareille foi. Et Jésus a dit au centenier: hey, va. Selon ta foi, ton serviteur est guéri. Et la Bible nous dit: en l'instant T, selon la foi, le serviteur fut guéri à la maison. Répondez Amen. Répondez fortement Amen.
Et le serviteur fut guéri depuis la maison. Pourquoi? C'est la foi qui a provoqué cela. Bien-aimé, cher aimé de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas obtenir promptement le miracle de Dieu. Alors ceux qui croient en Dieu, ils connaissent l'importance et la valeur de Dieu plus que Satan. Tu iras en certains lieux. On va faire certaines choses. Et on frappe sur le corps de la personne. Et ils diront qu'ils ont enlevé la maladie du corps de la personne. Que c'est l'os du chien. Que c'est une chenille, un ver qui a été enlevé de son corps. Pour tromper la vigilance de la personne. Plusieurs d'entre vous ici ont été victimes de cela. On te frappe. Et on dit quelque chose est tombé de ton corps et ils te diront que c'est la maladie qui a été enlevée de ton corps. Malgré cela, tu traînes encore le mal. Tu vas boire certaines eaux sales, très sales. Quelqu'un a crié « Ah !» Ça prouve que vous en aviez été victime. Et quand tu m'as dit, tu crois en cette eau. On te scarifie par la lame au dos. Pour cela, si certaines personnes se déshabillent tout de suite, il y a tellement de scarification sur leur corps. Et ça, c'est votre foi, comme quoi après cela, vous obtiendrez le changement. Mais le Dieu que nous suivons n'est pas semblable au féticheur. Mais l'abbé, il n'est pas comme une idole. Il est question de foi. Tu ne verras pas Dieu de tes yeux. Mais il accomplit des mystères. Et ce matin, il accomplira des mystères. Répondez fortement, amen. Il accomplira des mystères. Il va encore accomplir des mystères. Il avait accompli des mystères. Et ce matin, il va encore le faire. Moi, j'en suis convaincu, je crois en Dieu. Et ceux qui croient, ils recevront encore leur miracle ce matin. Il est prêt. Il va encore bénir. Il va encore guérir. Encore délivré. Il va encore libérer les gens. Et si tu crois, tu auras son miracle ce matin. Sans la foi, nous nous permettons de dire, si c'est la volonté de Dieu, est-ce que je demeure comme ça jusqu'au jour de ma mort, que cela s'accomplisse. Mais non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu dans ta vie. Hein? La volonté de Dieu, c'est que tu en sois libéré. Oh. Réponds amen. Si c'est la volonté de Dieu, que je meure de cette maladie, que cela s'accomplisse. Ah. Non. Dieu ne voudrait pas que tu meures de ta maladie. José. La foi. C'est ce qui accorde une maturité spirituelle à l'homme. Alors si vous arrivez quelque part, et quand on dit que les gens ne peuvent pas aller là, les gens n'ont pas l'habitude d'aller là-bas, hein, tu diras, avec Jésus, moi j'irai. Tu crois en ton Dieu. Tu crois tellement en ton Dieu. C'est ce que nous appelons la foi. Je voudrais que la foi demeure en vous. Et il y a certaines catégories de foi qui sont des fois futuristes. Lorsqu'on est en train de parler d'un miracle présent, la personne serait en train de dire « Je crois que cela s'accomplira. » La personne projette le miracle dans le futur. Amen. Le miracle que je souhaite pour toi ce matin,
c'est le miracle présent, le miracle brusque. Minya, elle a dit tu dois Gigi. Tu jeûnes il y a longtemps. Elle est bedonda Gigi. Tu pries il y a longtemps. Elle est toi qui va me Gigi. Tu viens dans ce camp il y a longtemps. Et toi tu es de ouais Gigi. Tu as passé par plusieurs endroits il y a longtemps. Et il y a nukunu pata. Et il te faut maintenant un miracle brusque. Et il y a amri makpata. Il te faut un mystère brusque. Mais l'ont dit à quoi la gbeomi. Et si tu crois ce matin tu le recevras dans ta vie. Nikbonabe amen. Répondez amen. Alléluia. Amen. Alors vous qui êtes ici et n'aviez pas de foi, le livre d'Hébreux que nous venons de lire, le chapitre 11, le verset 6, nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui n'a pas la foi est semblable à Nous pouvons en réalité considérer celui qui n'a pas la foi à un fainéant, à un faible. Par exemple, tu as des enfants dans ta maison et parmi tes enfants, tu vas cibler un enfant qui est plus faible parmi tant d'autres. Et cet enfant-là va toujours pratiquer le fainéantisme. Et tu verras un enfant plus petit que lui qui lui tape et il va se permettre de pleurer. Parfois, toi qui es le parent, lorsque tu remarques cela, tu demandes à cet enfant-là de le frapper encore parce que tu as remarqué en lui une certaine faiblesse, une certaine fainéantisme. Parfois, nous, nous avions été nombreux en famille. Parfois le papa serait dit, toi si grand comme ça on t'a tapé et tu pleures. Ce petit là, ton petit frère t'a tapé et tu pleures. Voilà, et celui qui pleure sera encore frappé par son papa. Amen. Répondez amen. Pourquoi est-ce qu'il le fait ainsi? Il est en train de mettre le courage et la colère en la personne. Qu'ils agissent avec bravoure. Les chrétiens qui sont fainéants, c'est eux que Satan emporte la plupart des temps. Moindre chose, ils s'attristent. Moindre chose, ils s'attristent. Cela, ce n'est rien du tout. Mais la personne va commencer par dire que c'est fini pour elle. Mais si tu es mature dans la foi, tous ceux qui sont présents au lieu, quoi qu'il se passe, les gens seront en train de te plaindre. Mais toi, tu serais en train de dire, moi, je ne vois même pas la raison pour laquelle vous vous plaignez. Hein? Parce que ça, là, ce n'est pas du tout compliqué pour moi. Ce n'est pas compliqué pour mon Dieu. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Non, mais pas. Si quelqu'un te voit, le mendi, en chemin, yo, Jessio, et que la personne te connaît, oh, on pas de soin. Tu ne t'es pas encore marié, toi? Eh ben, ah, oh. Et tu réponds non. Bédé, depuis tout ce temps-là, eh ben, ma ouvre gamin pas sonné. Il dit oui, l'heure de Dieu n'a pas encore sonné. Je vais me marier un jour, hein, et je vais même t'inviter à mon mariage. Façon dont Satan voudrait utiliser la personne pour t'écraser là, tu l'as immédiatement anéanti. Mais parfois, les chrétiens se permettent de dire, ah oui,
Il prend le mouchoir pour commencer par essuyer les larmes. C'est ça nous appelons le fainéantisme. Tu as déshonoré Dieu. Tu es un chrétien fainéant. Tu dois dire au même endroit en même temps. Mais les sons de gay. Je me marierai. Le temps de Dieu arrivera un jour. Et je vais même t'inviter à mon mariage. Ce que le diable a voulu utiliser pour rabaisser ta foi, immédiatement la façon dont tu aurais parlé va encore remonter ta foi. Je voudrais que nous soyons matures dans la foi. Réponds plus fort, amen. Grandissez dans la foi. Grandissez dans la foi. Amen. Répondez, amen. Alléluia. Amen. Nous étions une diaspora de notre canton et nous étions ensemble dans une ville donnée. En tant qu'une collectivité qui se retrouvait dans une autre ville, nous nous rassemblons de temps en temps pour des réunions. Et dans nos causeries, quelque chose se passe la plupart des temps. Ceux qui sont parmi nous et sont des païens, la plupart d'entre eux étaient plus riches que nous qui sommes les chrétiens. Eux, leurs activités marchaient plus que nous qui sommes chrétiens. L'un de mes frères, il est couturier. Et la plupart des temps, j'ai un frère qui est couturier. Lorsque nous clôturons la réunion, il s'attriste. Et il me pose la question à savoir pourquoi est-ce que les païens sont en train d'évoluer et nous qui sommes chrétiens, nous sommes toujours dans la pauvreté, nous traînons toujours la misère. Et je lui réponds la plupart des temps, ça c'est la course de la matinée. Jusqu'à ce qu'il ne sonne midi, nous allons les dépasser. Amélie la fille de Ségbénia. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend quelque part? Quiconque pense que tu es en retard, si tu fais usage de la foi, tu les dépasseras. Je prophétise, tu les dépasseras. Avec la foi, tu les dépasseras. Je connais le Dieu que je sais. Connais le Dieu que tu adores. Et si tu ne le connais pas, c'est là ton Dieu sera toujours déshonoré. Et toi-même, tu serais en train de le déshonorer encore. Et cette conviction au nom de Jésus, qu'une personne bénie dise amen. Amen. Répondez amen. Amen. Répondez amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bien, quelque chose s'est passé. Oh, alléluia. Amen. Nous étions encore ensemble à l'atelier de mon frère couturier en question et l'un de ses frères là passait avec son véhicule, il a fait un arrêt et il est venu nous saluer. Après nous avoir salués, depuis très longtemps, moi j'aime m'habiller correctement. Même si c'est une seule chemise que j'ai, je la repasse correctement. Et il dit, toi tu aimes t'habiller correctement au point où si on te voit tout de suite, on va penser que mon véhicule là t'appartient. Eh bien tu n'as rien du tout dans ta poche.
Et il est parti. J'ai souri. J'ai dit à mon frère couturier que écris le nom de quelque part. Je vais dépasser ces gens-là. Je vais dépasser ces gens-là. C'est ce que nous appelons la foi. Tu n'as pas encore vu la chose. Mais tu appelles à l'existence la chose. Et cela s'accomplira dans ta vie. Une personne bénie, réponde Amen. Réponds Amen là-dessus. Alléluia. Amen. Vous l'avez dit? Écris-le. Oh, amen. Amen. Alors, mon frère en question, il est diacre aujourd'hui à Ngotchen et à chaque fois qu'il me voit, il dit aussi que lui, là, Dieu a commencé par l'utiliser, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Chaque déclaration qu'il faisait, il le faisait avec assurance et certitude. Amen. Amen. Il nous a été dit que nous devrions aller à une convention. Adeta. À Adeta. Oh, amen. Amen. Le 1987, les années 1986-1987. Je n'avais même pas un franc. Et tenue. Et mon frère en question me demandait, tu as finalement trouvé de l'argent quelque part pour aller à la convention? Je lui ai dit, où pourrais-tu trouver de l'argent? Mais j'irai à cette convention-là. Praise God. Alléluia. Le jour où les gens allaient quitter pour la convention, c'est ce jour-là que j'étais en train de repasser encore mes tenues. Et le jour-là, je n'avais rien comme argent dans ma poche. Mais c'est à mon frère, j'irai à cette convention. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'étais en train de repasser ma tenue. Nous étions en train de causer ensemble. Et un monsieur est venu avec la moto. Et le monsieur est venu dire, ma maman a envoyé me demander si j'irai à la convention. J'ai dit oui, j'irai à la convention. Et il dit qu'il ne sait pas si j'ai les moyens ou qu'elle ne sait pas si j'ai les moyens. Eh bien, je n'étais pas au village. J'étais dans une autre ville. Mais on a envoyé l'argent à ce que moi aussi, je quitte la ville dans laquelle j'étais pour aller à cette convention. Oh, amen. Répondez Amen. Et j'ai participé à cette convention. Oh, alléluia. Amen. Aussi. La foi. La foi prend de choses là où il n'y en avait pas. La foi ouvre les chemins là où il n'y en avait pas. Ne pense pas que tu seras toujours comme ça. Que ta foi te rassure que ton histoire changera. Qu'une personne bénie dise Amen. Amen. Peuple précieux répond Amen. Mais pour nous, fréquemment, je dis, l'apôtre Paul l'a dit dans Romains le chapitre 10, nous sommes d'accord. Ce que nous avions éprouvé, ce que nous avions touché de nos mains, c'est de cela que nous vous parlons. Une personne elle-même va traverser des difficultés et après cela, il partagera ses témoignages. Lorsque nous nous sommes mariés et nous n'arrivions toujours pas à avoir d'enfants, le docteur, le dernier gynécologue qui nous avait reçu s'appelle le docteur Tété. Il était à la clinique de l'aéroport. Et c'est lui qui a finalement dit,
il serait vraiment compliqué et difficile à ton épouse de concevoir. Oh, alléluia. Amen. Et ma femme, à l'époque, s'attristait. Nous sommes revenus ici, j'avais commencé le ministère. Et un pasteur est revenu me dire qu'il a reçu révélation comme quoi Dieu l'envoie de venir me donner son fils. Afin que son fils devienne mon enfant adoptif. J'ai dit d'accord, je le recevrai. Mais cet enfant-là ne va pas porter mon nom de famille. Oh, amen. Amen. Bon, est-ce que ma femme avait mal compris la chose. Est-ce mon épouse disait ah. Que autour de nous gomenaya. La façon dont le monsieur est venu expliquer la chose. Eh bien, il dit que nous pourrions faire toutes les pièces d'identité comme quoi cet enfant-là désormais est notre enfant. Je lui ai posé la question. Toi, penses-tu que tu n'auras pas d'enfant? C'est toi qui me donneras d'enfant. C'est toi qui me donneras d'enfant. Je crois en Dieu. Amen. Répondez amen. À l'époque, sa maman était avec nous. J'ai appelé sa maman, je lui ai dit. Voici le message que nous avons reçu. Mais ma femme, elle était tellement convaincue. Et elle me rassurait de prendre l'enfant. J'ai quand même accepté prendre l'enfant. Mais je dis, à une seule condition, cet enfant-là ne va pas porter mon nom de famille. La première des choses que j'ai dit, c'est que à l'époque, nous avions déjà fait 11 ans ensemble après le mariage, mais l'enfant qui était venu avait 6 ans. Et je disais que si j'inscrivais cet enfant-là à l'école, les gens vont commencer par dire qu'après mon mariage, j'ai eu un enfant hors du foyer conjugal. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà la raison, la première raison pour laquelle je ne vais pas accepter cela. La deuxième raison, ma chérie, cet enfant-là, si je le reçois et que je lui donne mon nom de famille, sache qu'il est devenu le grand frère, l'aîné de tes enfants. Et c'est lui qui va présider les choses, les héritages plus tard. Mais toi, tu me donneras d'enfants. C'est toi qui concevras et tu me donneras naissance aux des enfants. Cela s'est-il accompli ou pas? Toi aussi, ta part s'accomplira. Ta part s'accomplira. Ta part s'accomplira. Ta part s'accomplira. Amen. Réponds amen. Hey. Seigneur, écoute bien. Passeport la nation. Voilà. Olesia, est-ce que tu m'écoutes? Ne quoi, Akbato, renouveleke. Voilà. Eye, olado dossier au keken. Me fio, ale yoduna compte yoke, et galano toe djie djine, et va sok beno bio releve de compte à son doué mea. Me fio, nous matonio au keken, bede osonak bedadande nanouye. Amen. La foi. Amen. Ceux qui croient recevront ce miracle. Ils recevront ce mystère. Ils recevront ce signe. Amen. Réponds amen. C'est ça que nous appelons la foi.
Moi, je n'ai pas trop étudié, mais déjà quand j'ai commencé ce ministère-là, j'avais déjà établi mes pièces d'identité. La carte d'identité et mon passeport, je l'avais déjà. Et même si cela s'expirait, je renouvelais cela. Parce que ma foi me rassurait que malgré que je sois dans la brousse ici, je vais voyager sur le plan mondial. Et tout récemment, c'est moi qui ai commencé par importuner les ouvriers, leur disant de faire un effort pour avoir des pièces d'identité, leur carte d'identité, et d'avoir aussi leur passeport à leur portée. Ce n'est pas l'occasion qui va s'offrir. Ce n'est pas l'occasion qui va s'offrir avant que tu ne commences par courir pour dire « Je veux établir mon passeport, je veux établir ma pièce d'identité. » Non, tu dois l'établir et le déposer. Même si cela s'expire, tu renouvelles cela. Et quand l'occasion sera ouverte ou prête, l'occasion te sera offerte, tu seras donc prêt pour exécuter facilement ton voyage. Récemment même, je les ai conseillé de faire un effort pour avoir des comptes bancaires sur lesquels ils vont rouler financièrement. Et quand l'occasion se présentera, on pourra les tirer des relevés bancaires et le voyage sera effectué sans difficulté, sans problème. Et ma prière, c'est que cette foi-là intègre quelqu'un ce matin. Je te le dis, Bédé, que oh, c'est là, la foi, c'est ce que nous ne voyons pas de nos yeux, mais nous croyons que cela existe. Amen. Amen. Avec le venaviba ou dade, tu composes le trousseau des jumeaux. Mais les gars, je et tu te dis, j'aurai des jumeaux. Appelons tu viba ou dade. Tu composes le trousseau d'un garçon, d'un fils. Quand tu quittes ici, tu achètes le porte-clé et tu te dis que c'est le porte-clé de mon véhicule ou de ma moto. C'est ce que nous appelons les pas de foi. Et la foi accorde une croissance spirituelle à l'homme. Je prie à ce que Dieu t'accorde cette croissance spirituelle. Que quelqu'un réponde Amen. Quelqu'un répond Amen. Amen. Dis plus fort Amen. Je prie pour vous que Dieu vous donne la foi. La foi authentique. Pour ta propre vie. Et que la foi soit la base, la fondation de ton adoration. Et jamais tu ne chancelleras. Par la foi, jamais tu ne chancelleras. C'est par la foi que moindre chose, au lieu que la personne commence par prier, elle va commencer par chercher des numéros de téléphone. Et l'enfant serait au sol. Parce que tu penses que toi aussi tu ne peux pas prier pour qu'il y ait un changement. Mais dans la foi, cet enfant, tu vas voir qu'il est en train de mourir. Tu vas simplement lui imposer la main et dire, Abraham, Dieu d'Abraham, Isaac, Dieu d'Isaac, au nom de Jésus, la vie intègre cet enfant. La vie intègre cet enfant. Et l'enfant reprendra vie. Ces choses qu'on n'inculque plus en nous, chrétiens de nos jours, c'est ce qui fait que nous serions toujours sous les post-récepteurs avec nos téléphones et tous les pasteurs qui vont passer par cette antenne aujourd'hui, nous allons les appeler pour leur demander la prière. Parce que toi-même, tu n'as pas la foi. Mais si tu as la foi, avec de quelques déclarations dans la prière, le miracle va s'accomplir dans ta vie. Amen. Repos, Amen. Ce matin, que ta foi grandisse. 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 Mais gagner Christ au temps. Ne sois pas un chrétien, un chrétien faible, un chrétien fainéant. Vu mon âge, avec ce qu'on est en train de dire là,
Est-ce que moi aussi je pourrais encore obtenir de telles choses? Oui, que ta foi te dise. Du moment où Caleb avait 18 ans, il s'est levé. Elle dit, la terre qui nous a été promise comme héritage, ma part est montagneuse, mais je la recevrai avant de mourir. Regardez un peu l'âge de la personne, 80 ans. Et il va escalader une montagne avant de pouvoir obtenir sa portion. Il ne s'est pas découragé. Ne vois pas ton âge comme quoi les bonnes choses t'ont déjà dépassé. Amen, amen, amen. Même si toi-même tu n'as pas voyagé sur l'Occident, Dieu amènera tes enfants à l'Occident et tes enfants viendront te chercher pour que tu ailles faire tes congés chez eux. Alors ne te vois pas comme si c'est fini pour toi. Le sol que tu avais l'habitude de cultiver dans la foi, ce même sol tu vas encore cultiver. Mais tu obtiendras assez de récoltes plus que les années dernières. Et si tu crois que cela s'accomplisse dans ta vie, cela s'accomplira ainsi dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie. Lève-toi et déclare éternel. J'ai entendu ta parole ce matin. Dans la foi. Les impossibles deviennent possibles. Si tu vois des anormalités dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme ou dans la vie de ton enfant, tu vas déclarer dans la foi à ce que ces choses-là disparaissent de leur vie. Je ne veux plus voir telle chose dans ma vie. Je ne veux plus voir le célibat dans ma vie. Je ne veux plus voir telle maladie dans ma vie. Ma situation d'infécondité, je ne veux plus la voir. Dans la foi, les gens peuvent mourir de cette maladie. Mais moi, je ne mourrai pas. Je vivrai dans la foi. Priez maintenant. La foi. Le maboyanda la babayaka. Donc là, wa konu le mausi la gbeome. Wa konu le mausi. Ose ale konu le mausi. Prie et que ta foi reçoive quelque chose de la part de Dieu. Ya, donc là vi filai. Prie maintenant. Le baboya bala babo. Wi mama boka bala bala baba. Bala baba shata. Le balababoria balababaya. Okoborobobobo. Imama baboria balababa. Ekandara bababa. Mandala baboria balababa. Kaborobobobo. Ikambala baboria balababa. Ekandoroboshidara bababa. Wemborobole baboria balababa. Imama baboria balababaya. Emama balababa. Balababa. Imobole mama. Priez maintenant. Priez au nom de Jésus. Le roi s'aimait. Dans la foi. Omaku, tu ne mourras pas de cette maladie. Dans la foi. Omachi feme. Tu ne périras pas dans la dette. Dans la foi. Ton foyer conjugal ne sera plus le même. Dans la foi. Et puis omanonene. Tes enfants ne seront plus les mêmes. Ce que jamais personne n'a été dans votre famille. Que ta foi te dise. Dieu fera de moi cette identité. Dans la foi. Makoroboya. Bondoroboshata. Makoroboya babayaka. Via momi yoma unekoda defima. Là où les gens ne sont pas allés, que Dieu te conduise en ces lieux. C'est de la foi. C'est la foi. C'est la foi. Le Yesu ben kome.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il vous plaît, répondez Amen. Peuple précieux de Dieu, dites Amen. Nous allons encore prier. Vous savez quoi? La foi. Arrache les choses qui étaient enracinées. La foi ouvre les portes fermées. Et c'est encore la foi qui accorde une maturité à l'homme en Christ. Et cette maturité-là t'affermira au point où tu ne vas pas dérailler. Alors si vraiment nous grandissons en Christ, nous avons une maturité en Christ, et cette assurance que tout ce que tu traverses comme difficulté, ces choses vont partir ce matin. Alors répète avec moi, Éternel. J'ai entendu parole. Je crois en toi. Et je sais que ta parole déclare ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui ont la foi et qui cherchent l'Éternel, tu te révèles à eux. Je voudrais te voir dans ma vie. Je voudrais voir un mystère dans ma vie. Si tu ne me le fais pas, les gens ne sauront pas que vraiment je te connais. Les gens vont toujours se moquer de toi. Les gens vont t'injurier. Les gens diront de n'importe quoi à ton sujet. Éternel, fais-le. Fais-le. Ma carabaya. La foi. Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Humblement, nous allons encore prier. C'est par la foi qu'on n'a pas peur. Alors toutes les puissances, tous les démons qui se lèvent contre ta vie, ta foi va toujours te rassurer que tu les vaincras. Ils peuvent voir des révélations. Quelle que soit la façon dont cette révélation sera effrayante, ta foi serait en train de te dire: jamais ils ne pourront vaincre. Alors répète, Éternel, dans la foi, tout ce qui se lève contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de mon épouse, contre mon travail, contre mon adoration de Dieu, m'empêchant de jouir de ma vie, dans la foi, où qu'ils soient dans le monde, je les écrase ce matin. Je les disperse ce matin. Les démons qui se sont réunis au Togo, Africa, en Afrique, Jesus, et dans le monde entier, Jehovah, Éternel, je les disperse ce matin. Je ne peux pas. Et sonner yoti
Amen. Répète éternel. Les démons de tout genre qui m'empêchent de réussir. Ils ont menti, ce n'est pas eux qui m'ont créé. Je prophétise dans la foi. Je réussirai. J'écrase leur complot. Les démons qui t'empêchent d'enfanter, de te marier. Les démons qui t'empêchent d'avoir la guérison. Les démons qui t'empêchent de réussir, qui empêchent tes enfants de réussir. C'est des moments romantiques. Partout où tu te rends compte, tu es à l'Occident, Afrique, Amérique du Nord, dans un pays d'Europe. Ils ont menti. Oh Jesus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. Medekuku, alléluia. Amen. Amade, pas de défi avec mon âme, sans âme. Quelqu'un a partagé une révélation avec moi depuis hier nuit. Amen. 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 Cela est identique à ce qu'une femme a également vu et qu'elle a partagé avec nous ici. Qu'il a vu des bagues d'alliance en doublé. Comme les bagues des mariés qui sont entassées dans une grosse fosse quelque part. Et j'ai considéré que c'était vraiment une vérité parce que quelqu'un a vu la même révélation hier. Mais dans la révélation, ces bagues-là sont sorties de cette fosse. Je me suis dit, ça prouve que Dieu accordera une bénédiction de mariage à plusieurs personnes. Le mois dernier, nous avions vu cette révélation-là lors de notre intercession que nous faisions pour préparer la grande séance. Demain, cette révélation est encore venue. Alors toi et moi, nous allons prier. Il y a certains hommes qui ont eu à se marier qui malheureusement n'ont plus leur épouse avec eux. Il y a certaines femmes qui ont eu à se marier qui malheureusement ne vivent plus avec leur mari. Il y en a qui ne se sont jamais mariés. Cela veut dire que les démons ont ramassé les cérémonies de mariage qu'ils ont placées auprès des démons dans le monde obscur. Il y aura une forte tempête. La tempête du Saint-Esprit. Il va ramener donc ces bagues de mariage. Et cette tempête ramènera également ta bague d'alliance. Il y a certains qui vivent déjà dans le foyer conjugal. Mais les démons ont enlevé leur bague de mariage qu'ils ont jeté dans le monde des ténèbres. Voilà la raison pour laquelle il y a actuellement des troubles dans ton foyer. Je demande aux ouvriers d'être vigilants et très habiles. Parce qu'il y a une forte tempête du Saint-Esprit qui est en cours. Alors maintenant même, partout où se trouve quelqu'un se trouve dans le monde. Et tu devrais te marier. Et ils t'empêchent de te marier. Ils ont placé ton mariage dans la réunion des sorciers. Le Saint-Esprit te ramène. Une forte tempête est en cours. Maintenant même, cette tempête-là qui ramène les gens, qui ramène les bagues d'alliance, qui ramène les foyers conjugaux, que cette tempête ramène aussi ta part.
Le Kaboria. Qu'elle ramène ta part. Qu'elle ramène ta part. Ne crois pas. Qu'elle ramène ne ta part. Qu'elle ramène ne crois pas. Qu'elle ramène ta part. Ba. Commander Yabase. Masotoro Baboria Baba. Aronda Basque Toro Boyanda. Rombaseha. Oska. Zoka Baranda. Ne crois pas. Qu'elle la ramène. Ne crois pas. Que cette tempête les ramène. Mbetoa. Ton fiancé, ta fiancée. Hey, ne crois pas. Qu'elle la ramène. Ne crois pas. Que cette tempête les ne ramène. Ne crois pas. Que cette tempête les ne ramène. Ne crois pas. Que cette tempête les ramène. Non, non, et puis la citoyenne d'un tchoulé. Femme, vu ton âge, il existe aussi un homme compatible à ton âge. Maoula tchong tchouma dogo. Dieu te donnera cet homme. Les gens pensent que tu vas traîner cet état de célibat à vie. De même, homme, les gens pensent que tu seras célibataire à vie. Le Saint-Esprit ramène maintenant ton mari. Maintenant même. Yes. Barande. Le Saint-Esprit le ramène. Le Saint-Esprit le ramène. Ne crois pas. Le Saint-Esprit ne crois pas. Le Saint-Esprit le ramène. Ne crois pas. Dans la foi. Ne crois pas. Dans la ne foi. Ne crois pas. Dans la foi. Ne crois pas. Dans la foi. Masara babaya. Barenda baika. Oshetabra. Rondo bozeri ande. Mosatabra. Kaborianda la basha. Oska. Zobrande le baboka. Midotom. Écoutez-moi s'il vous plaît. Blabé Yehoa. Répète éternel. Tout ce que tu m'as donné comme bénédiction dans ce monde avant de m'envoyer sur terre. Et les esprits de ce monde les ont oppressés. Dans la foi, ramène-les-moi. Je reprends toutes choses dans la foi. Priez maintenant la bénédiction. Yaira. La bénédiction. Yaira. La bénédiction. Yaira. La bénédiction. La bénédiction que Dieu t'a accordée. Prie pour les recevoir. Chande Baika. Yaira yo maucho yira. La bénédiction que Dieu t'a accordée. Après, anigma, vous, les maisons, les terrains, les véhicules, l'argent, les biens matériels. Ceux qui sont de te diffamer, de te déshonorer aujourd'hui verront ta bénédiction et seront étonnés. Damesu. L'heure a sonné. Et tes années de vie restantes, l'histoire de toi et tes enfants changera. Maintenant même, la grande bénédiction. Yaira Pepe. La grande bénédiction. Yaira Pepe. La grande bénédiction. Yaira Pepe. La grande et lourde bénédiction. Marababababa. Écoutez-moi, s'il vous plaît. En un clin d'œil, nous allons lever nos mains et tu vas recevoir ta bénédiction. Maintenant même, lorsque nous avons fait cette prière, elle doit maintenant porter chair dans ta vie. Que ta foi te dise, je ne suis pas une personne avilée. Ah. Non. Osemela, dans la foi, Yaira ba menenye, tu es une personne bénie. Hey, net dinti ofifilai. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Oh, Yaira wa ofifilai. Reçois ta bénédiction maintenant. Aha. Bokarabaya. Maso kabra. Palendo roboshata. Yaira va. La bénédiction est descendue. Oh yamotuna. Toi qui étais. Oh yamokona. Toi qui étais ridiculisé. Les gens verront la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois-la. Reçois-la. Reçois-la.
jaillira coup à coup. La bénédiction authentique. Elle est déjà. Elle jaillit. Partout où tu te trouves dans le monde, reçois ta part de bénédiction. Tu as voyagé avec les gens. Et tu as constaté que c'est fini pour toi. Et le tu dépasseras ces gens. Le gros dans la foi. La siame. Dans le marché. Le dos dans ton service. Le soukou dans ton école. Et le tu les dépasseras. Wow! Reçois ta part de bénédiction. Maso cabraya. Kaleboronda sheita. Pasto enenye. Tu es pasteur. Minisawa. Ton ministère Meleio. N'évolue pas. Le toya du neva. À travers ta présence dans ce camp. Amisusiata. À cause de l'onction. Hey, maou le gars des olagbe. Dieu agira dans ta vie. Maou tchonou nana de odeme. Dieu a mis en toi des dons, des talents excellents. Oui, don meleio. Mais ton ministère n'avance pas. Le gros semé. Dans la foi. Et gâte-toi, mon petit. Tu dépasseras les gens. Hey, vive là! Maintenant même! Wachek Baba Baba, sois l'ancien autoritaire! Masara Baba Baya! Rabo Karabayanda Sheta! Dodo de Chito! L'ancien d'élévation! Yahira Baba Missisi! L'ancien de bénédiction! Walefisia Pinele! Reçois-la partout où tu es! Ouais! Reçois-la! Ouais! Reçois-la! Ouais! Reçois-la. Ouais. Reçois-la. Ouais. Reçois-la. Blabé Yehovah. Répète éternel. Pour mes bobos de siade. Les esprits de famille de tout genre. Eh ben, magnonamo. Qui m'empêchent de réussir. J'invoque le feu sur eux. Fifilai. Maintenant même. Ma soro bobo bobo bobo. Orinda boska kalabayande. Pour mes bobos, c'est pour mes bobos. Les esprits de famille de tout genre. Esso. Feu. Esso. Feu. Bala babo. Ma soro babaya. Ma soro boyanda. Imapolia bala baba. Rondele babo shatarabaya. Wembere mapolia bala baba. Makenda boria ndayaka. Mandolo bole mapolia bala baba. Makende katarabaya. Imama mapolia bala baba. Zolande kale babo shata. Mandolo bole mapolia bala baba. Barabarabarabaya. Imama mapolia bala baba. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yaira de negro. Amen. Qu'une personne bénie dise amen. Répète éternel. Dans mon corps. Dans le corps de mon épouse et de mes enfants. Dans toute catégorie de maladies. Dans la foi. On que ces maladies obéissent à Jésus. Et qu'elles prient bagage de mon corps. Dans la foi. Dans la foi. Basse ya borobo sonda bayaka. Ni maboka bayandere basse. Lembele mabori ya masuka ndala babaya. Lemba sori andele mabori ya mama baya. Ni mama mama bori ya bala bala bababa. Mandoro bole mabori andala bala babe. Le Yesu pen kame. Ni masu yandere basanda basha. Mi dasire dolele oji. Placez les mains là où vous avez mal. Au nom de Jésus, que le cancer disparaisse. Jesus. Palais Kabo Sharabaya. Rondo Bozu Hambaya. Vigidomebe cancer. Le cancer d'utérus, le cancer de trompe. Que ce cancer disparaisse maintenant. Et tokuku. La surdité. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Jitetebe le gros cœur. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Adoudouame. Mal à dents. Yes, yodomana. Jésus te guérit de cette maladie. Ameyonti fibromle. Celle qui souffre du fibrome. Dasside fibrome a oji. Placez les mains où ces fibromes se trouvent dans votre corps. Yes, yodonami. Jésus vous guérit maintenant. Yes, yodonami. Jésus vous guérit. Yes, yodonami. Jésus vous guérit.
Yes, you donna me. Jésus vous guérit. Fibrome. Le fibrome. Kyste. Le kyste. Yes, you donna me. Jésus vous guérit. Yes, you donna me. Jésus vous guérit. Fibrome on est bou. Que les fibromes disparaissent. Fibrome on est bou. Que les fibromes disparaissent. Kyste on est bou. Que les kystes disparaissent. Et coule à nommé. Tumeur dans ton sein. Ne boule yes pen comme. Que cette tumeur disparaisse au nom de Jésus. Tu me pourras. Ta colonne vertébrale. Yes, your domana. Jésus te guérit de cette maladie. En libéto. Le mont de hanche. Bajog, l'impuissance masculine. Et jigbegble. L'azo, l'oligospermie, les anomalies spermatozoïdaires. Ne veux si à nyan, on veut sem. Les menstruations douloureuses. Yes, your domain, ami. Jésus vous guérit de ces maladies. Asidouanyocho. Tu souffres d'une ménopause précoce. Yes, your domain. Jésus te guérit de cette maladie. Adjigbodo. L'épilepsie. Yes, your domain. Jésus te guérit de cette maladie. Diabète. Le diabète. Sida. Le VIH. Hépatite. Les hépatites. Yes, your domain, ami. Jésus vous guérit de ces maladies. De vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, que les maladies disparaissent de vos corps. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, infécondes, que vos utérus s'ouvrent maintenant. Les couples sans enfants, que l'homme reçoive la guérison maintenant. Que la femme reçoive la guérison maintenant. Allez-y, enfantez des jumeaux. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi, s'il vous plaît, si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, nous allons encore prier pour le Togo et nous allons demander la paix. Et nous allons dire à l'Éternel, c'est la Bible qui nous recommande de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Alors prie maintenant pour ce pays et dis à Dieu de veiller sur ce pays. Nous connaissons les jours, les mauvais jours que nous traversons. Et les méchants entrent dans différentes nations pour détruire les gens. Et vous apprenez des dégâts qui ont toujours lieu ailleurs. Que Dieu protège ce pays par sa grâce. Priez maintenant. Priez maintenant. Éternel. Tu nous aimes. Et à cause de ton amour que tu nous témoignes, veille sur nous et protège ce pays par ta grâce. Et nous demandons la paix. Au nom de Christ Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Père, nous te remercions. Je te confie ma vie, la vie de mon épouse et de mes enfants, les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants, nos pasteurs missionnaires, éternel Dieu, ici au Togo et à l'étranger, éternel, nous prions pour eux. Veille sur tout le monde. Et surtout, je prie ceux qui intercèdent en notre faveur pour la prospérité de ce ministère et qui le font dans leur chambre. Pendant qu'ils méditent pour la prospérité et l'évolution de ce camp de prière, que Dieu aussi prospère à tous égards. Je prie maintenant celui qui offre des dons, ceux qui soutiennent ce ministère par leurs conseils, les différents comités qui travaillent avec nous. Père, veille sur tout le monde. Dans la foi,
Tous ceux qui ont leurs pieds ici, qu'ils aient la solution à leurs problèmes. Qu'ils aient la solution à leurs différents problèmes. Qu'ils aient la solution à leurs différents problèmes. Et partout où vous êtes, soyez prospères à tous égards. Soyez prospères à tous égards. Nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et qui veulent établir des pièces d'identité et qui cherchent du travail, qui veulent se marier, qui veulent avoir d'enfants, Éternel Dieu, accorde-les la victoire. Et ceux qui sont malades, va les guérir. Les nations qui sont menacées par les maladies, par la maladie, par le Covid, Éternel va guérir ces nations. Éternel guérit toutes ces personnes qui traînent ce virus. Dans les hôpitaux à travers le monde entier, guérit toutes personnes. Leur assemblée possède tous les cœurs. Éternel Dieu, les hommes qui sont dans les ténèbres, les noirs comme les blancs, les permis jusqu'au chef d'État, leur assemblée au éternel. Ces âmes doivent être sauvées. Père Céleste, que ta jalousie de face, afin que ces âmes ne périssent point et que ces âmes soient aussi sauvées. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mi apenu Georgina, vous me faites vraiment plaisir. Amen. Amen. Benade, bembena, nous que be latin grona mo kude nous que be bak pole fi antima. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So I want you to say loudly, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We're happy to be here, me for the first time, and he's for the second time. We have got some help and from the room and the food, and we're so happy to be here, and we have been so blessed to experience all this. This is the gospel that is preached here, that is done. It is to deliverance, to set people free, to heal people. We see the blessings is flowing. We see that that the gospel is in action here. Alleluia. Eni di jogande na mi be eyi mi va. Okpo mi abe zefe be nya okpo, okpo mi abe ndudu be nya okpo, ole be na mi. Eye nu mi e deje si la mi e po be na agbenya nto ele dezon le tefe ya. Amen. Eye mi e po be na ya ira be nya ole katutu be nya ole. Eye eyi gawula luvo gede ole tsowa pa gbe na Yesu e doji jonami. Amen. Asikpe na Yesu de nya maya tare. Wasikpe na Yesu. Luvo gede ole tsowa pa gbe na Yesu. Yes. This is something we needed so much in Europe. So we have so much to give to us in Europe. Yes, you have there is so much blessing here. So we need this spiritual blessing in Europe. We need this breakthrough in Europe. So, praise the Lord. Amen. Enu ya la mi o hia mi le hia mle mi abejua me. Ella bena mi e dibe mi akpo dede abe mi o ha ene. Amen. It's a Jesus we are going to look to. It's Jesus that's doing everything, and it's the same Spirit here and in Europe and everywhere. It's the same. The Spirit is the same. So Yesu di kuemia kata miakbo. Amen. Eye bogbo ele don le tefe ala bogbo madeka ele don le miakbo le Europe. Amen.
God bless you. I love you. Amen. Sit down, sit down. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Oh. Mi yo le komia. Mi le po di joya. Yo. C'est la joie, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dis-moi ma de jipona mi be. Je voudrais simplement vous réconforter. Mi po maoude. Nous avons reçu ou nous avons rencontré un Dieu. Donc de mia tout to ble mia me yo pa me nve viva na to ya dia. Ame yo Jesse tona pona nu ina gbona. No be kaka no va do afia no pon kaka ogbona be hun. E wo be mia to mi pona ne. Vo mi me nya nu si mi po. Da me di ma gatro gbona na obe. Ame si ame va fia nenya nu si gbe oto eye nye kose ble nye mo popo me no nya de gbon be ne yesu chi me gbe a. Je le dis toujours aussi je t'en avais dit. Dans les pays de l'Afrique, dans les pays de l'Afrique comme dans les pays de l'Occident, nous allons y organiser des campagnes d'évangélisation. Et en ces temps-là, Dieu te bénira, tu achèteras ton billet d'avion pour nous accompagner. Tu achèteras ton billet d'avion pour nous accompagner. Et nous irons annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jusqu'en ces temps-là, Dieu te bénira. Et Dieu changera ton histoire. Et lorsque nous allons décoller, tu diras, homme de Dieu, je voudrais bien vous accompagner. Je vais acheter les billets d'avion pour 5 de tes serviteurs. Et nous irons annoncer Jésus-Christ. Souvent je dis qu'il est temps. Avant le son de la trompette, nous allons secouer le monde par le nom de Jésus. Alors si tu possèdes Jésus et tu méconnais la valeur de Jésus, tu te fais du mal. Moi, j'ai Jésus et je sais que ce Jésus-là est une chose de valeur que je possède. Ce Jésus-là que j'ai dépasse des millions et milliards. C'est pourquoi une chanson dit Jésus est à moi, dont tout m'appartient. Jésus est à moi, asseyez-vous. Amen. Amen. Puisque Jésus est à nous, tout nous appartient. Amen. Amen. Oh, praise God. Alléluia.
jeudi matin, je dis qu'une maman est venue. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Obi ajira ta igbuna be yi be temu alo yi be da se fo ele kaka yo vo dira. Tane me funu la me jima gade jipo na o pre susu ya be na amesia me ke va fi ya la necho hose. Opo a maumba me menye vo susu nye me nyo ya pa ma. Ha me vi edu hose. Ye gbon be hose ema. Bere obenu si amefa yo ngena. Ta ibe tro ba gatos ero. Be nye be ni va fa ero a. Ija va no nge ero. Enye bo mechinya no gbena mere ke me ponya mawo amase gomeo. Oh amen. Ta enna nya ha me be ah mechi bo me ta me ha me ba tewo hallelujah. Amen. No nam dola ko me ba jone nya me ga choba igbana anu wonu nya me ba fane be yehowa me jang ange dola yesu ma ange dola ayi me ba america nya me le sugba ba me le viade. Praise God. Eru acha yemele gare uvo mele viare sigome nyebe amerebe hose nyonuye. Oh amen. Enye hame vivwa eyebe hose yegbonone nene amerela senyamela nyaya nyemenyan kawo namio vwa uyona hose rebe adahwa be hose. Yes, la folie de la foi. La folie de la foi. Mais la siwa, si tu là, anu wonu abe hoseto, si nyanu vole wonu sibe adahwa tonene. Tu vas utiliser la foi comme un fou, un chrétien qui est fou. Bon, elle nous okeke. Eh bien, tu es bien éveillé, tu as bien tes sens bien éveillés. Mais donc, regardez miatabe. Je prie pour vous. Le hose là, qu'avec la foi, nous sommes milek pamona. Ce que vous espériez, elle a vamele miabakbe. Cela s'accomplira dans votre vie. Le jour où tu vas prendre la parole dans ce camp pour partager ton témoignage, ce temple sera secoué. Le temple sera secoué. Écris-le, note-le dans ton carnet. Amen. Et tu diras, l'homme de Dieu avait l'habitude de faire de telles déclarations. Je ne les prenais pas au sérieux, mais aujourd'hui, je vois cela porter cher dans ma vie. Tout ce que vous cherchez avant de venir, que Jésus vous les accomplisse. Amen. Amen.